Bonjour les professeurs, bienvenue sur Sobol. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous risquez d'être étonnés. Une jeune fille va nous raconter comment elle a été initiée à la sorcellerie sans s'en rendre compte. Hein? Sérieux? Est-ce possible? Écoutons son témoignage. Ça a commencé en 2012 et s'est terminé en 2018. Alors, en 2012, j'ai été initiée dans la sorcellerie inconsciemment. Ça a commencé lorsque je suis allée en vacances au village. Donc, ma grand-mère a profité pour m'emmener dans ces choses. Pour moi, au début, je prenais ça comme un jeu. Je me disais, ce n'est qu'un rêve, je reviens tranquille. Je prenais ça d'abord comme un jeu, au début. Mais au fur et à mesure que le rêve se répétait, je prenais vraiment conscience que non, là, c'est plus un rêve. Et je racontais tout à mes parents. Je ne cachais pas, je racontais vraiment tout à mes parents. Et mes parents su que ça, c'était de la sorcellerie que je faisais inconsciemment. Voilà comment ils ont commencé à m'emmener chez les tradis praticiens. Au total, je suis partie chez sept tradis praticiens qui n'ont pas réussi à m'enlever de là-bas. J'ai fait de 2012, 2013, 2014. En 2015, j'ai maintenant appris à partir de moi-même. Ce n'est plus ma grand-mère qui me faisait partir, c'est maintenant moi. Donc maintenant, dans le rêve, on me dit, tu vois l'animal là, tu dois tuer l'animal là, comme ça nous allons manger ça. Donc j'ai pris le couteau qu'on m'a remis et j'ai tué l'animal dans le rêve. Le matin quand je me réveille, on me dit, on appelle ma mère pour dire que il y a ma grand-mère qui est malade au village. Elle ne se sent pas bien. Elle est malade. Elle est beaucoup malade. Moi, ne savant pas ce que j'avais fait, je dis ah, c'est certainement vu que parce qu'elle était déjà dans les 70 ans, c'est l'âge, etc. Donc du coup, le soir encore, je sors de mon corps, donc je pars dans le monde astral. Voilà comment on a fait un grand repas. On a fait un grand relou. C'était vraiment un grand repas. Là-bas, j'étais clairement une déesse. J'étais vraiment une, comment on dit, la reine, une reine des eaux. Après quelques jours, ma grand-mère est décédée dans le monde physique. Dans le monde, voilà, elle est décédée. Donc, on a fait les obsèques et tout. C'est après son décès qu'on m'explique maintenant que tu as tué ta grand-mère pour prendre sa place. Bon, moi ça me dérangeait pas, hein. Ça me dérangeait pas parce que je ne voyais pas l'impact que ça avait dans ma vie à cet âge. Je ne voyais pas l'impact que ça avait dans ma vie. Arrivé un moment, quelques mois après, on m'a dit, tu as mangé pour autrui, tu dois aussi donner parce que le sacrifice que tu as fait, ce n'était pas comme on veut. Là, tu as juste pris la place d'une personne. Maintenant, à ton tour de sacrifier une personne. Donc, c'était en 2016. Je ne savais pas qui donner. Je ne savais pas s'il fallait donner ma mère, s'il fallait donner mon père, s'il fallait donner un de mes petits frères. Je ne savais vraiment pas qui je devais donner pour me sauver moi. Parce que là-bas, si tu ne donnes pas à quelqu'un, c'est toi qui passes. Donc, j'avais fait asseoir mes parents, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, on me demande de donner quelqu'un, mais je ne sais pas qui je dois donner. Et ma mère a commencé à paniquer. Elle a fait une réunion de famille, elle a informé tout le monde. Je quittais de tradit praticien à tradit praticien. À cette époque, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait la prière. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais que Dieu existait, mais je ne priais pas. Arrivé à mes 18 ans, j'ai vraiment vu l'impact que la sorcellerie a eu dans ma vie. Parce que malgré le fait que je partais chez les tradis praticiens, ce qui me faisait, c'était seulement pour un temps. Mais ça n'enlevait pas complètement parce que je peux faire de 1 mois, je ne sors pas, je ne pars pas dans le monde astral. Mais après, je reprends y aller normalement. Donc, à mes 18 ans, on m'a expliqué dans le monde astral que je suis maintenant dans la capacité de séduire les hommes dans la vie.
dans la vie réelle, c'est-à-dire je dois prendre, sucer leur énergie et à travers leur énergie, ça va me donner plus de pouvoir. Donc, je le faisais clairement. Je sortais avec lorsque des hommes me draguaient, je ne disais pas ça et ça ne se voyait même pas. J'étais une sorcière, on va dire. Donc, quand je sortais avec un homme, lorsqu'il montait sur moi, je le caressais et je soufflais à son oreille. Et c'est à ce moment où je prenais son étoile. Je devais, parce que j'étais déjà on va dire, j'étais déjà assise à la table des rois, on peut appeler ça comme ça. Mais les hommes j'étais aussi à un âge où je me disais que, ah, ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je me remettais en question, je me remettais vraiment en question parce que je voulais aussi avoir un petit ami, mais si je prends un petit ami, je vais prendre son énergie, après il va être gaspillé, donc ça me décourageait. Voilà comment ma mère a expliqué mon histoire à une dame. Et cette dame nous a amenés chez un homme de Dieu. Arrivé chez l'homme de Dieu, pendant ma délivrance, l'esprit de ma grand-mère est venu, c'est-à-dire mon esprit à moi est parti, et c'est l'esprit de ma grand-mère qui est venu dans mon corps pour parler. Après ça, on m'a demandé de faire un travail que je n'ai pas fait parce que j'ai fui l'église. En fait, je trouvais ce que je faisais de bien. En fait, je m'y plaisais dans ça. Et je ne voulais pas arrêter à cette époque. Mais lorsqu'on m'a demandé de sacrifier ma mère, c'est ce jour que j'ai eu peur. Parce qu'on m'a dit, tu as 18 ans. C'est l'âge de, on va, ils appellent ça comment? L'âge où la femme devient mère d'une femme, bref, c'est là de la maturité. Donc, on doit te donner tous tes pouvoirs. Mais avant de te donner tous tes pouvoirs, tu dois faire un grand sacrifice qui est ta mère. Tu dois donner ta mère en sacrifice. J'ai fait asseoir ma mère, j'ai dit, on m'a demandé de te donner en sacrifice. Je l'ai clairement dit ça comme ça. Que si je ne te donne pas, c'est moi qui pars. Je vais mourir. Parce que on m'a averti. Ma mère avait commencé à fréquenter l'homme de Dieu. Moi, je refusais toujours d'aller à l'église. Et on commençait à me menacer. Je commençais à avoir des cercles. Je commençais à tomber malade parce que le temps qu'on m'avait donné était déjà écoulé. Donc, c'était quand j'ai vu que j'étais prête à mourir, que j'étais vraiment prête à mourir, que je me suis retournée vers Dieu. Ma délivrance a duré deux semaines. J'ai fait 2 semaines sans manger ni boire de l'eau à l'église. Et c'est à travers cet homme de Dieu que j'ai réussi à sortir de là. Mais c'était vraiment, mais vraiment pas facile du tout. Parce que j'ai quand même fait ça durant beaucoup d'années. Donc pour sortir de là, il fallait vraiment que je m'y mette à fond. Parce que quand on faisait les prières. Tu n'as pas vendu quelqu'un entre-temps? À part ma grand-mère que j'ai tuée inconsciemment, non. Je n'ai vendu personne. Mis à part une fois quand je me disputais avec mon petit frère, avec la colère, j'ai dit à mon petit frère, je vais te vendre dans la sorcellerie. Tu vas voir, je vais te vendre à l'intérieur. Et quelques semaines après, mon petit frère, il était tombé malade. Il était malade, il avait maintenant le manque de sang, bref, c'était vraiment pas bien. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à sortir de là, à arrêter ce que je faisais. Je voulais attirer l'attention des parents, des mamans, des papas qui sont sur ton direct. N'envoyez pas vos enfants chez n'importe qui, surtout dans les villages, chez les parents et tout, parce que vous ne connaissez pas le cœur de la personne. Vous ne connaissez pas ce qu'on peut faire à votre enfant. Moi, on m'a gaspillé, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de sortir de là et d'avoir une vie maintenant bien. J'ai un enfant, j'ai un conjoint, d'avoir une vie stable. Et aujourd'hui, cette histoire est derrière moi, mais je n'hésite pas à partager pour dire que la sorcellerie est bien réelle. Elle existe vraiment. Les reines des eaux existent vraiment. Tout ce qui englobe la sorcellerie, c'est vraiment, mais vraiment réel. Donc. Voilà. Vous avez entendu ça? Ah.
Bien, nous allons apprendre des choses sur les sorciers. Écoutons ça. Vraiment, les gens sont méchants. Le monde est méchant. Les gens sont mauvais dehors. Ne marchez plus n'importe comment. Si vous ne connaissez pas marcher, restez chez vous. Vous voyez les gens, ils sortent tous les jours, ils sortent tous les jours. Vous faites comme eux. Vous ne savez pas comment ils sont. Soyez sages. Là, il y a des histoires que j'ai écoutées là-bas. Moi, j'ai eu la chair de poule. Il dit que, hey, moi, je croyais que j'avais déjà tout entendu dehors. Là. Le dehors là, est grave. Et j'en profite, comme je sais qu'il y a les sorciers, j'en profite pour dire aux gens, les sorciers aiment certaines choses. Quand un sorcier se colle sur vous, c'est comme Internet, c'est comme Google même, c'est comme l'informatique. Il met le virus sur vous, il veut savoir où vous allez, ce que vous faites, ce que vous dites. Si vous ne vous lavez pas bien avec le sel, et le sel, on ne se lave pas n'importe comment avec, pour enlever ça et jeter dans les toilettes. Ça veut dire que tu te laves, tu fais l'exfoliant de tout ton corps, même dans ton anus, tu mets le sel, parce que c'est comme les insectes, ça se colle sur vous. Et vous attendez que ça chauffe jusqu'à votre corps ne supporte plus. Parce qu'un anus, il se colle comme les sangsues avant de vous rincer. Et vous ne mettez même pas l'huile. Vous sortez comme ça avec. Parce que sinon, quand vous devenez, ils vont encore mettre les virus sur vous. Donc, il faut avoir l'antivirus contre les sauces. Ils veulent savoir ce que vous pensez. Donc, quand vous êtes dehors, ils veulent savoir ce que vous faites. Quand vous êtes à côté du sorcier, ils veulent savoir ce que tu penses. Donc, si tu laisses ton cerveau là ouvert comme un boutoukou, tu parles, tout ce que tu penses, le sorcier peut savoir si tu ne te bloques pas. Maintenant, je vais raconter mon histoire. Moi, on m'a surnommé ici là Papa Google parce que j'avais raconté une histoire que j'étais au Portugal et j'ai connu une Brésilienne. Alors, cette Brésilienne, elle était envoûtée par des démons. Et c'est là où j'ai commencé à connaître la vie des démons. Alors, je raconte une partie de mon histoire avec cette Brésilienne-là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des moments, elle disparaissait pendant 3 jours, et quand elle revenait, on l'avait déjà utilisée, les démons l'avaient utilisée pour faire tout ce qu'ils aiment faire, parce que le démon n'a pas de corps. Nous, on est plus puissants que le démon, parce que nous, on a la chair. Dieu nous donne déjà la chair qui ne donne pas aux démons. Alors, ce qu'ils font, ils nous habitent pour faire des choses qu'ils aimeraient faire, comme le sexe, se droguer. Ils veulent même sauter en parachute. Ils entrent sur toi. Ils savent que tu aimes marcher, n'importe quoi. Alors, comme elle faisait 3 jours, elle ne venait pas à la maison. Et quand elle revenait, elle était déjà tout usée. On avait fait d'elle tout ce qu'on voulait. Donc, elle revenait fatiguée, déjà moisie. Je la lave. Je ne pouvais plus l'abandonner, c'était comme ma soeur maintenant, je ne pouvais même plus l'abandonner. Je la lave, je la fais tout, elle revient bien. Après, elle repart encore. Quand elle revient, elle est encore gâtée. Alors, un jour, je marchais avec elle au centre de Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. Mais ce n'était pas elle, c'était le démon qui était en elle. Mais je voulais la ramener dans mon hôtel pour essayer de l'aider. La fille entre une fourgonnette, comme une camionnette. Elle passe de l'autre côté, moi je passe de l'autre côté pour qu'on se rencontre devant. Quand j'arrive devant, elle n'est plus là, elle a disparu. Il dit, ah, la fille c'est parti. Je commence à tourner autour de la camionnette, je ne la vois pas. C'est une grande place de Lisbonne, je vais sur la grande place, je regarde comme ça, je monte même sur un truc, je la regarde, je ne la vois pas. Je dis, merde, elle a disparu. C'est là où je vois une église. J'ai dit, ah, l'église était ouverte. Et c'était les jolies, il y a beaucoup de jolies églises en Europe. Les touristes vont souvent faire des photos et tout ça. Je vois l'église. Il dit, la seule possibilité. Si elle n'est pas dans le restaurant, elle est dans l'église. Alors, dans le restaurant, elle n'était pas. J'entre dans l'église. L'église, il y a 3 personnes dans l'église. L'église est totalement vide. Elle n'est pas très grande, l'église. Je regarde, je ne la vois pas. Je regarde en bas des tables, des chaises, partout. Je regarde dans toute l'église, je ne la vois pas. Même là où on faisait les confessions, elle n'est pas là-bas. Je sors mon téléphone. J'appelle la fille. Le téléphone commence à sonner dans l'église, mais en écho. Ping, ping. Bon, tu ne peux pas savoir si c'est à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça sonne en écho dans l'église. Tout le monde regarde, ça sonne. Papa, papa, papa. Je dis que merde, je cherche. Et comme je ne pouvais pas savoir exactement dans quel point ça venait de l'église, la sonnerie, ça sonnait dans toute l'église, comme l'écho, comme si on avait mis les baffles partout. C'est là où je ne voulais pas qu'il y avait un homme à l'entrée. Je ne voulais pas qu'il vienne me déranger. Je sors, parce qu'il pouvait savoir que c'est moi qui étais en train d'appeler, parce qu'il n'y avait que 2 personnes à l'intérieur. Et il ne faisait rien, et c'est moi qui avais le téléphone à main. Alors je sors. Je sors, ça sonne, elle ne prend pas, ça se coupe. Je rappelle encore, je suis dehors, j'écoute comment le téléphone sonne dans l'église. Je dis, ah, je sais déjà que tu es dedans, tu vas sortir, je t'attends dehors. Et maintenant, elle décroche.
Je lui demande que mais je suis entré dans l'église ici, je te vois pas. Comment c'est possible? Elle rit. Et c'est le démon là qui rit comme ça. Elle dit, tu crois que tu savais tout? J'ai dit, tu es où dans l'église là, je te vois pas. Elle dit, ne t'inquiète pas, tu veux quoi? J'ai dit, sors, on part, après je pars. Je veux que tu libères cette fille-ci. Elle n'a pas voulu sortir. J'ai insisté, j'ai commencé à appeler. Je t'assure, DMG, elle n'était nulle part dans cette église. Même derrière les statuettes, j'ai cherché. Il n'y a pas moyen de la... Il n'y a pas où je n'ai pas mis mon nez. J'ai dit, je veux voir l'histoire si aujourd'hui. La fille-là est sortie de cette église-là. Il n'y avait pas d'autre porte où se cacher. J'étais ébahi. J'ai la voix. J'ai dit que, mais tu étais où? Tu as fait comment? Elle dit que... Elle m'explique qu'elle est, elle s'est transformée en une statuette. Il y a les statues là comme les vierges qui sont partout dans les églises à l'intérieur. Elle dit qu'elle s'est transformée en une statuette. Elle a un nom, elle a donné un mot pour ça. Elle dit qu'elle s'est... elle a abandonné la chair d'une manière pour me dire ça, mais en portugais. Et moi, je n'ai pas douté. Alors, en ce moment, j'ai senti que c'était très grave. Et qu'en ville, il était impossible de l'aider. Alors, j'ai dit à la fille, viens, on laisse la ville, comme on était dans un hôtel. On va dans une île où il n'y a personne. C'était en hiver. Et en hiver, les îles touristiques, c'est presque vide. On loue les appartements là-bas très moins cher, même à 500, 700 euros. Alors, on va dans cette île, on loue un appartement, elle et moi. Je voulais qu'on reste juste là-bas et que je l'aide avec les prières et la Bible pour... ça veut dire pour la séparer de ses démons. Alors, on reste dans cet appartement. Alors, moi, je vous explique comment cet appartement... L'île est très petite. Cet appartement a deux balcons. Un balcon du côté de la cuisine, c'est la cuisine américaine qui est collée au salon. Il y a un balcon qui fait le côté de la cuisine et l'autre balcon qui fait du côté du salon. Ça veut dire que tu vois la mer des deux côtés. Alors un jour, elle me dit, aujourd'hui, je vais manger rien que du poisson. Tout ce qui est mer, qui vient de la mer. Je dis, d'accord, on va au supermarché. On achète deux crabes, écoutez bien l'histoire. On achète deux crabes frais, vivants, des gros crabes, pour faire une soupe, pour cuisiner, hein, pour manger ça comme ça. On achète des gambas et on achète des saumons pour faire du sushi comme les Japonais, pour manger cru. Donc on voulait juste manger des trucs de mer ce jour. On a bien, j'aime cuisiner, j'ai alors tout bien fait, on a mangé, on a même abandonné les morceaux de crabe qu'on ne voulait pas à l'intérieur, là, tout ça, ça pue le poisson dans toute la maison, on a mis ça dans la poubelle, tout le reste là. Et puis le saumon, on a juste pris les bonnes parties, on a abandonné le squelette, tout. On a mis dans la poubelle qui était du côté de la cuisine. On a attaché ça dans un sachet, on a déposé dehors, juste à la véranda du côté de la cuisine. Et on était assis au salon, on faisait la sieste. Alors, on est en train de faire la sieste du côté du salon, hein, la véranda du côté du salon. Il y a une descente qui est au bord du mur comme ça. Alors, on voit cet oiseau qu'on appelle la mouette. C'est un oiseau marin, il est tout blanc, il vit toujours. Il ne fait que pêcher, il aime le poisson. Il vit toujours au bord de la plage. Tu ne peux pas le trouver là où il n'y a pas la plage. Il aime manger le poisson. Ça s'appelle la mouette. Alors, on voit une mouette qui marche sur le mur comme un être humain. Il marche, il vient, il s'arrête, il nous regarde comme ça. Je tapote cette fille-là, je dis, regarde la mouette. Moi, je t'en ai pas parlé, j'ai lâché debout. Je dis, regarde cette mouette-là, ça se comporte comme un être humain. Il nous regarde, dès qu'il finit de nous regarder, on le regarde aussi, on dit que, il marche comme un être humain, il marche sur le mur, c'est comme une barrière. Il s'envole, il part. On reste là, on regarde la télé. La fille se lève, elle dit qu'elle va chercher un peu d'eau pour boire. Dès qu'elle entre à la cuisine, la fille a jeté un cri d'enfer. J'ai dit, c'est quoi? Je me lève pour aller à la cuisine, elle ouvrait le frigo. Dès que je me lève, j'arrive là-bas, je vois la mouette qui a mis sa tête dans un petit sachet qui est une autre petite poubelle à côté de la grande poubelle et qui est en train de sortir un tampon plein de sang. Donc cette fille, ce jour, elle avait ses règles. Elle a sorti le tampon, elle a attaché dans un sachet, dans le papier hygiénique et elle a sorti la petite poubelle qui est dans les toilettes qui sont différentes de la grande poubelle qu'on avait à la cuisine. Imaginez-vous cette mouette qui a un oiseau
qui ne mange presque que du poisson. Il est venu là dehors. Il n'a même pas cherché à ouvrir la même mouette qui nous a regardé de l'autre côté. Il n'a même pas cherché à ouvrir le sac où il y avait les squelettes de crabes, de poissons, de tout ça. Il a abandonné le gros sac. Il est parti dans le sac où il y avait le tampon. Il a commencé à percer avec son bec jusqu'à ce... Quand on est venu le chasser, il avait déjà la corde du tampon tout rouge qu'il voulait s'envoler avec, il voulait partir avec. Je l'ai chassé, il est parti. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Un oiseau qui ne mange que du poisson. Et il vient ici, il nous regarde d'abord comme un être humain. Et il vient, au lieu de chercher à manger le poisson qui est dans la poubelle qui est à côté, non. Il fait le trou pour sortir le tampon. C'est pour alors dire aux filles, faites attention avec vos tampons. Ne jetez pas ça n'importe où. Il est même préférable, au lieu de jeter dans les toilettes, là, parce qu'il y a l'emboma dans les toilettes maintenant, au lieu de jeter dans les toilettes ou dans la poubelle, quand vous avez vos règles, emballez tout. Vous sortez du quartier là où personne ne vous connaît, c'est là où vous partez jeter dans une poubelle, là où personne ne vous voit. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils n'attendent que ça. Et pour les hommes, surtout ceux qui vivent dans les cours communes, évitez qu'une femme très tôt le matin vous montre ses tampax, ses règles avec le sang. Ce n'est pas bon. Et s'il y a un sorcier dans une cour commune, il va toujours essayer de vous montrer où ses caca, où ses urines. Et s'il y a une sorcière, elle va toujours essayer que vous voyez très tôt le matin quand vous vous réveillez ses tampons, son sang. À bon entendeur, salut. Bonsoir à vous tous. Incroyable. Mais vrai, vous avez entendu ça? Ah, tout à l'heure, je vous parlais un peu des sorciers. Soyez prêts.